Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour continuer la ferme que j'ai commencée avec Rabbit. La Broadback Farm. Nous allons continuer un petit peu, tranquillement, à nous occuper de cette petite ferme, qui est ma foi bien sympathique. Je pense que dans les options, je peux dézoomer un petit peu. Oh, ça va être chiant. C'est vrai que ça bug encore ce truc. Ça permettra de voir un petit peu plus du jeu. Je crois que je peux pas aller en dessous. Ouais, 75 c'est max. Voilà. Ce sera un petit peu mieux comme ça. Un petit peu plus agréable. Bon, toute petite ferme, hein, c'est les débuts. C'est bien normal. Voyons voir ce que nous avons dans le courrier. Assez ruine. Il y a beaucoup de pierres éparpillées autour de votre ferme. Si vous avez du surplus, vous pouvez considérer. Vous pouvez me demander de construire quelque chose, par exemple un puits pour vous. Il peut être placé un peu n'importe où dans la ferme. Et ça peut vous donner un petit peu plus de. Un endroit un petit peu plus sympathique pour. Un petit peu plus utile pour remplir votre arrosoir. Il faut juste que tu viennes à mon magasin avec 75 de pierres et 1000 de gold. Quand tu es prêt, bien entendu. Signé Robin. Robin. Fort bien. Donc on va ranger tout le merdier qu'on avait eu l'autre jour. D'ailleurs. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu le bordel dans notre réserve, hein. La Rusty Sword, je vais pouvoir la revendre, je pense. Tac. Bug Meat Cherry Bomb, ça il faut aller le donner. Ça aussi. Ouais, puis je vais aller faire ouvrir les géodes. Tant que j'y suis. Ouais, on a un petit peu d'argent. Allez, on va faire ouvrir des géodes. Tac. C'est hyper. Quel temps de merde quand même. Les jours-ci, il pleut. Faudra aussi que je rencontre tous les villageois, ce serait bien. C'est ça. Il faut aller au musée. Tout à fait. Le musée. Non, c'est le bâtiment en dessous. Quel con. Ah, ça ouvre à 8 h. Bon, faut que j'attende un petit peu. Moi, du coup, on va pêcher en attendant. Ce sera pas trop du temps de perdu comme ça. C'est vrai qu'au début, la pêche, c'est long. Avant d'avoir les cannes un petit peu plus évoluées, c'est quand même terriblement long. Il est déjà l'heure que le magasin soit ouvert. Ouah, trop bien, j'ai eu une canette. Je suis heureux. Le musée est désespérément vide. Abysmal. Pas une seule pièce dans la collection. Qu'est-ce que c'est? Tu as trouvé quelque chose? Laisse-moi voir. Remarquable. C'est très ancien. J'aimerais bien pouvoir l'étudier en plus grand détail, mais c'est à toi. J'ai une faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner tous les nouveaux artefacts ou les minéraux que tu trouves? On pourrait faire peut-être une découverte incroyable ensemble. Et qui sait, si tu continues à donner, je pourrais peut-être trouver des objets intéressants que je pourrais te donner en retour. Pense-y, d'accord? Oui, Gunther. You touch my tralala.
Si tu décides de donner, apporte-moi juste les objets au bureau. Très bien. Je viendrai te donner les objets au bureau. Du coup. Bonjour. Je veux donner au musée. Hop, on va commencer par là. Et les minéraux, on va en mettre là. C'est parfait. Est-ce que... Il semblerait que tu n'as rien à donner. D'accord, mais lui, il n'a rien à me donner non plus. Pour l'instant, pas de cadeau. Ouh, ça m'a rapporté 250 balles. Incroyable. Ça, ça ouvre à 9h. Bon, bah, on va retourner pêcher. Cette fois, j'espère que je vais pêcher un peu mieux qu'une canette, quand même. Ah, bah oui, c'est vachement mieux qu'une canette. Des déchets. C'est super. C'est vachement super. Ah bah, moi, je suis content. Hein. Alors, process geodes. Paf! Du granit. Un cristal de terre. Oh! De la néquate. Du charbon. Slate. Mm-hmm. Du fer. Un œuf de foudre. Du cuivre. Oh. De la calcite. Eh ben très bien, ça va faire des choses à donner au musée. Je vais peut-être avoir un petit cadeau du coup. Un petit cadeau. Un petit cadeau. Alors. Je peux donner ça. Ça, 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 ça et ça. Voilà, et du coup j'ai gagné un nouveau cadeau. Alors qu'est-ce qu'il peut me donner? Oh, des graines de choux. C'est bien, ça. Je suis au début de la saison. Ça met du temps à pousser, mais ça rapporte pas mal d'argent. Donc c'est plutôt cool. Je suis heureux de ce beau cadeau. Qu'est-ce que tu fais toute seule sous la pluie dehors, toi? Viens par là. Ah. Elle est dehors parce que les gouttes de pluie font vraiment beaucoup de bruit sur le toit de son... de sa caravane. Ma caravane. Assez ballot. Une autre petite fleur. J'ai toujours ça de plus à vendre. Et ça fera augmenter mon skill. Salut Pigman. Ça va bien? En ce magnifique samedi après-midi de grande chaleur. Ça aussi je vends et le reste je garde. Peut-être bien faire un deuxième coffre hein, pour stocker les minerais quand même. Alors. Yop. Tac. Et on va le mettre en bleu. Comme la couleur des choses précieuses. Alors, il y a des minerais là-dedans, normalement. Il y a ça, il y a ça. Et c'est à peu près tout. On a mis mamie à la cave avec les bouteilles de rouge. Donc, tout devrait bien se passer niveau hydratation pour elle. Ah, parfait. On sait ce qu'il faut faire, hein, de toute façon. Il n'y a pas de secret. Hop, et on va planter, du coup, les 9 graines de choux.
Voilà, et en plus, il n'y a même pas besoin de les arroser. Salut Edward. Ah, tu testes le nouvel emote lave-vaisselle. Ça, c'est cool. Toujours la commande lave-vaisselle aussi, effectivement. Bon, on va faire des petits chemins en bois. Parce que j'aime bien avoir des petits chemins en bois. Ça, c'est bon. Voilà. Incroyable cette émote. Elle est magnifique. Ah bah oui. C'est la meilleure emote du monde. La meilleure emote du monde. Ah bon, bah par ici ça pousse. Je pense que j'ai rien de plus à faire à la ferme. On va ranger ça. Et puis on va aller dans la mine. Rabbit est allé bien profond dans la mine. Bon, les deux autres sont pas encore validés, mais de toute façon, c'est pour les subs niveau 2 et les subs niveau 3. Donc on n'est pas près de les voir. Mais bon, elles sont dispo sur le chat Discord. Hein. Si vous voulez essayer, je les ai rajoutées. J'ai rajouté nos trois emotes custom. Il y en aura très certainement d'autres à venir au fur et à mesure, comme dit la chanson. Niveau 30, donc. Ah! On y voit goutte ici. Contenu sur le Discord. Il y a toujours du contenu sur le Discord. On n'est pas très nombreux, certes, mais nous sommes une belle bande de joyeux lurons. Ah bah, si ça continue comme ça, je vais faire les 5 étages bien rapidement si je tombe sur l'échelle directe. Paf! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je vais te planter. Ah oui, c'est vrai, on est dans une cave quand même. Voilà, il faut mettre l'effet correspondant. C'est pour l'immersion, c'est important pour le chat. Faut que ce soit immersif. Bon, plus qu'un étage à faire. Merde, il y a un petit connard là. Bon, sinon, Edward, à quoi tu joues en ce moment maintenant que t'as fini Detroit? Meurs! Communiste! Ben voilà. Faut juste lui donner des centaines de coups, mais il finit par mourir. Hein. Je crois que Edward n'a pas entendu ma question. Et ben voilà. 5 étages de plus. C'est pas mal. Oh.
Est-ce que je vais trouver l'échelle aussi rapidement à chaque fois ou... Putain. C'est ouf. Des fois je galère et puis là ça vient tout seul. C'est incroyable ça. Tiens. Oh bah. Oh là là, mais c'est incroyable tout ça. Putain, mais j'aurais fait 10 étages comme ça. Easy quoi. Ouais. Allez, on va sortir de la grotte. Voilà. Sortie de la grotte. Eh ben, on sera fait 10 étages en 2-2. Magnifique. Là, j'ai cul bordé de nouilles, comme on dit. Incroyable. Franchement, j'ai jamais vu ça, quoi. Trouver autant... aussi facilement toutes les échelles. C'est ouf. On va stocker tout ce qu'on a récupéré. Petit minerai. Putain, il y a toutes ces armes là, faut que j'aille les vendre, tiens. Ah mais ça va être fermé je crois. Je sais plus à quelle heure ça ferme la guilde des aventuriers. Mais le temps que j'y arrive à mon avis. Surtout en passant par là, parce que je suis qu'un connard. Il y a moyen que ce soit fermé. 100% c'est fermé. Et je suis allé là-bas pour rien. Ah oui, d'ailleurs, il faudra que je retourne. Tiens, ben. Ouf. Non. Je vais essayer d'aller là-bas. Sur le chemin du retour, je rentrerai dans le centre communautaire pour avoir les premiers bundles à remplir. C'est important, ça donne des gros bonus quand même. Ça donne des trucs plutôt cool. Tu vas voir que ça ferme à 9h. Je vais arriver trop tard. Ah! Ah bah je peux pas encore y aller. Reach the bottom of the mine. Ok, donc faut que j'aille jusqu'au cul. Au cul de la mine. Ouais bon bah je vais aller au centre communautaire. Je crois que pour être un aventurier, il doit falloir tuer genre 10 slimes. Quelque chose comme ça. Putain, j'ai toujours pas fait celle-là. Craft furnace, ça faut que je fasse. Ouais, c'est ça, c'est des slimes verts. Il faudrait que je refasse les premiers étages de la mine. Ce rabbit a dû la faire cette mission, mais comme j'étais pas là. Comme j'étais pas là pour taper sur les slimes avec lui. Ça n'a pas compté pour moi. Oui, 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 oui. On marche lentement dans ce jeu quand même. Hein. Merde, je voulais aller dans le centre communautaire, j'y suis même pas allé. Mais quel sac à merde. Bon, tant pis, on va aller dormir. Ah, niveau 2 en foraging. Ça m'a haché un petit peu plus efficace. Bon, et l'argent pour l'instant, c'est pas ouf. Mais ça va venir. Un jour, je serai riche. Oh. Qu'ai-je donc fait? J'ai tout réduit, voilà. C'est quand même mieux si je vois le chat. Cher fermé Pikachu. J'aimerais m'excuser pour avoir fait une blague à propos de votre de vieux cabanon de votre grand-père quand on s'est rencontré la première fois. C'est vraiment une belle petite maison. Cependant, si tu as besoin d'un peu plus d'espace un jour, eh bien, sache que je peux t'aider. Si tu me ramènes quelques matériaux et que tu payes
que tu payes un petit extra, une petite taxe, je peux agrandir ta maison. La première expansion, le premier agrandissement que j'offre inclut une cuisine. Avec une cuisine, tu pourras fabriquer plein de recettes que tu as appris. Cuisiner, tout ça avec une cuisine, c'est incroyable. On peut cuisiner avec une cuisine. Vous rendez-vous compte? J'espère que tu commences à te sentir chez toi dans Stardew Valley. Votre charpentier local, Robin. Ouais, changer Robin depuis que Batman est mort. Bon, faut arroser. Arrosons toutes ces belles petites plantes. Qui vont nous rapporter un max de pépettes. Et foufou dans la popoche. Même si t'es beau, même si t'es moche, les foufous dans la popoche. Peut-il installer un lave-vaisselle? Je crois qu'il y en a un, oui. Ah, c'est une cuisine totalement équipée, hein. Genre cuisiner là, tout ça. C'est incroyable. Ça y est, mon chien il devient fou. Voilà. Ça ce sera fait. Putain, il me faut quasiment un arrosoir complet pour cette surface. Bon, centre communautaire. Et ensuite, on va retourner dans les premiers étages de la mine. Hop, prendre ça. Pour tuer des slimes verts. Pour devenir un aventurier aguerri. Afin de pouvoir vendre ces armes qui ne me servent à rien. Faire. Alors, cinématique. Non, pas de cinématique. Ah si, il y a un truc là. Ah oui, c'est vrai. Au début, on comprend rien. Et du coup, faut aller voir le sorcier. Le sorcier. Faut aller voir Gandalf. Gandalf le rose. Bon, allons tuer des blobs. Mais justement, demain, je devrais recevoir un courrier du sorcier. Qui me dit que c'est normal que j'ai rien compris. Il faut que je sois en communion avec la nature. Et il va me faire boire un truc bizarre et je vais me réveiller chez moi avec un gros mal de fesses. Ah, en voilà des blobs verts. Paf! Meurs! Ah, sinon, hier soir, comme j'arrivais pas à dormir, eh ben, j'ai commencé à regarder My Hero Academia. Ah, c'est plutôt sympa. Hein. Ah, par contre, j'aime pas du tout le personnage de Bakugo. Qui est beaucoup trop vénère à mon goût. Mais sinon, ça a l'air plutôt sympa. Ça a l'air bien. On va essayer de trouver l'échelle du coup. Au pif. Voilà. Ah! Tu as croisé mon chemin, meurs, sale pourriture verte. Résidus de vegan avariés. Il y a ma manette qui vibre en même temps, vous entendez? Jamais regardé. Bon, si t'aimes bien les shonen, c'est toujours dans le même esprit, hein, mais il est plutôt bien écrit celui-là. Ça va. C'est agréable à regarder. Bon, après, voilà, pour l'instant, j'ai regardé genre 6 épisodes, quoi. Je comble un manque à ma culture en regardant Cowboy Bebop. Ah, c'est vachement bien, Cowboy Bebop. Si t'as pas regardé, je te conseille Samurai Champloo aussi. Qui est plutôt sympa. Mais c'est plus... Enfin là, que ce soit Cowboy Bebop ou Samurai Champloo, pour moi, c'est plus du shonen.
se rapproche plus du manga un peu plus adulte, on va dire. Alors, petit blob vert, où êtes-vous? Oh, le coup critique à 15 là, je overkill quoi. Bon, alors l'échelle est là, mais moi il me faut des blobs verts. Plus par ici à mon avis. On va prendre ça quand même. Ça va être utile plus tard, le quartz. On va le raffiner en petits lingots. Bon. Bien. Continuons à descendre. Puis ça me fait du cuivre en même temps. C'est pas plus mal. Petit blob vert. Voilà, je crois que j'en ai tué 10 du coup. Ce petit bruit semble m'indiquer que j'ai décimé la moitié de la population des petits monstres verts. Hop. Vérifions. C'est ça, donc là maintenant je peux aller à la guilde des aventuriers. Voilà. Je vais pouvoir revendre cet équipement tout merdique. Tout merdique. Mon équipement, c'est de la merde. Ouais, reviens quand t'auras quelque chose à me montrer, gamin. Ah ouais, direct, il me parle pas, quoi. Non, non. Donc, je vais revendre la Windspire. Ainsi que ma Rusty Sword. Slime, la bug meat. Puis bah, je vais garder ma petite épée. Ma petite épée normale. Et là donc il y a tous les objectifs. Donc des slimes font tuer 1000. Des monstres que j'ai pas encore rencontrés, tout ça, tout ça. Des espèces de pénis dans la terre, là, ils font tuer 30. Incroyable. Eh bah, très bien. Oh, un écureuil. Un gros écureuil. Hein. Putain, mais j'ai jamais vu des écureuils aussi gros. Ok. Réflexion. Faudra que je construise un poulailler aussi un jour. Il va falloir dégager beaucoup d'espace. Je pense que je vais finir mon endurance, l'endurance qui me reste à couper des arbres autour de ma ferme. De ma ferme. C'est important de couper des arbres, ça me purifie. À me sentir épuisé. Mais il est temps. Je vais donc aller me coucher. Après avoir vendu et rangé tout ce qu'il y a à vendre et à ranger. Bon, le bug meat, et puis les slimes, je vais le vendre pour l'instant. Ça aussi. Le reste, je garde. Alors. Oh, tiens. Des tulipes. Oh, au printemps, faut le planter, ça. Ça aussi. Oh. Ouais, j'ai pas pu vendre cette merde là de lance-pierre d'ailleurs. Encore une diode, ça je stocke. Je vais pas le stocker là. Ça oui. Petit gland. Tac. Et hop. Et on va vendre le reste. Voilà. Et on va aller se coucher. Il est 4h30 de l'après-midi, je m'en vais me coucher.
Wow, on se sera fait 200 balles, c'est incroyable. Oh, j'ai chaud, les enfants. Je rapproche mon petit ventilateur. Ah, j'ai commencé à récolter ça. Du coup, on va les vendre. Je vais prendre les graines qui traînent ici, là. Je vais les planter. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Et en plus, comme il pleut, pas besoin de les arroser. Magnifique. Parfaite journée de feignant. Un courrier. Mes sources me disent que tu as été voir à l'intérieur de l'ancien centre communautaire. Pourquoi tu ne me rendrais pas visite? Ma maison est à l'ouest de la du lac de la forêt. Dans la tour de pierre. J'ai peut-être des informations concernant votre problème de rat. Monsieur Rasmodius, sorcier. Et ben voilà. Ah, il y a un autre courrier. J'ai perdu ma hache préférée. Si vous la retrouvez, s'il vous plaît, retournez là. ASAP. Oh. Je peux gagner 250G. Bah, fallait pas me le dire. Fallait pas me le dire. J'y vais direct. Je vais lui retrouver sa hache. Je crois me souvenir d'où elle est. C'est parfait. Hop. Coupe ça. Et on descend. Alors, il me semble qu'elle est au sud-est de cette zone. Si je me rappelle bien. Il y a un pont ici, normalement. Quelque part. Ouais, mais il est plus bas. Ouais, le voilà. Petit pont. Grand pont. Tiens. Un petit... un genre de gros radis. Oh. Des oignons de printemps. Oui, voilà, elle était là. Voilà, j'ai trouvé la hache perdue de Robin. Je vais pouvoir lui ramener. Et là, je vais aller à la tour du sorcier. Qui est par ici. L'entrée doit être quelque part, un petit peu au-dessus, je crois. Un petit peu au-dessus, je crois que c'est là. Oui, c'était là. Magnifique. Ah, j'ai encore des bons souvenirs. Je suis Rasmodius, chercheur des arcanes de la vérité. Je suis un médiateur entre le physique et le non-physique. Maître des sept éléments. Gardien du charme sacré, enfin, je crois que tu comprends ce que je veux dire. Et toi, Pikachu? Celui dont l'arrivée m'a été prédite depuis longtemps. Viens, je veux te montrer quelque chose. Attention! Tu en as vu un avant, n'est-ce pas? Ils se nomment eux-mêmes les Junimos. Des esprits mystérieux.
Pour une raison que j'ignore, il refuse de me parler. Je ne suis pas sûr de pourquoi ils sont arrivés dans cette commune, dans le centre communautaire, mais tu n'as aucune raison d'avoir peur d'eux. Tu as trouvé un parchemin doré, écrit dans un langage inconnu. Ce scénario incroyable, effectivement. Très intéressant. Reste ici, je vais aller le voir par moi-même. Je vais revenir dans un instant. Téléportation! J'ai trouvé le papier. Le langage est obscur, mais j'ai été capable de le déchiffrer. Nous, les Junimaux, sommes heureux de vous aider. En retour, nous demandons des cadeaux de la vallée. Si vous ne faites qu'un avec la forêt, alors vous verrez la vraie nature de ce parchemin. Ne faire qu'un avec la forêt. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir dire? Est-ce qu'on doit aller enculer un arbre? Ah ah! Viens ici. Mon chaudron est en train de bouillir avec des ingrédients de la forêt. Est-ce que tu peux le sentir? Penche-toi bien en avant pour sentir mon gros chaudron. Tiens, bois ça. Et laisse l'essence de la forêt pénétrer ton corps. Oh, l'essence de la forêt. En fait, il vient de me donner du GHB, je crois. Un trip sous acide. Regardez l'essence de la forêt. C'était de l'herbe à chat. Ah, vous avez gagné le pouvoir de la forêt, le pouvoir magique de la forêt. Vous pouvez maintenant déchiffrer le véritable sens des parchemins des Junimaux. Incroyable. Bah. Pourquoi il y a cette cinématique qui se lance maintenant? Ça sent mauvais. Pourquoi c'est bloqué? Je veux explorer les égouts. Je crois que Gunther a la clé. Professeur Gunther? Le mec qui gère le musée? Et pourquoi tu crois que c'est lui qui l'a? Oh! J'ouvre le calendrier maintenant, c'est incroyable ça. J'ai vu une vieille clé rouillée qui est tombée de sa poche une fois. Un égout aussi dégueulasse que ça doit bien correspondre à cette vieille clé rouillée. Oh, ils entendent des bruits incroyables. C'est quand même impressionnant quand je pense au dev qui a fait ce jeu tout seul. Oui, oui, ça a dû demander beaucoup de travail. Les graphes, toute la musique, le code, tout ça. Fait avec le framework Xena de Microsoft en plus. Donc pas forcément
non plus le truc le plus intuitif, quoi. Bon, alors, je sors de chez le sorcier, j'ai mal aux fesses, donc maintenant je peux déchiffrer les parchemins. C'est magnifique. Et il n'est que 10h30 du matin. On va aller tout de suite voir de quoi il en retourne. Alors, le centre communautaire, on va aller déchiffrer ce fameux parchemin, parce que bon, j'ai pas laissé ce sorcier me faire mal aux fesses pour rien quand même. Hop, elle est là, l'entrée. Allons-y. Donc, en fait, c'est toute une liste de cadeaux que je dois faire au. Donc, chaque bundle correspond à une petite liste de cadeaux que je dois faire pour gagner des petits bonus. Donc, si j'arrive à remplir l'arbre entier, ils vont réparer le pont qui est cassé. Donc, il y a un pont, un endroit qui est cassé, on peut pas passer pour aller à la mine à ciel ouvert. Et donc, du coup, je dois leur ramener des choses. Donc, là, c'est plutôt des trucs d'hiver. Donc, là, ça ne me servira pas. Moi, c'est plutôt celui du printemps. Donc, voilà, là, il faut que je lui ramène. Bon, là, j'ai la plupart des. J'en ai quand même quelques-uns déjà. Hop, hop. Il faudrait que je trouve un poireau et un gros pissenlit. Et je pourrais remplir ça déjà. Et le fait de remplir ça, donc, ça nous permet. Touk. D'avoir un petit cadeau normalement. À chaque étape, on a un petit cadeau. On ne sait pas préciser ce que c'est à chaque fois. Donc, des fois, c'est des graines, des fois, c'est de l'argent, des fois, c'est des plants. Y a un petit peu de tout. C'est plutôt sympa. Ça aide pas mal. Disons que c'est mieux que de suivre la voie de Joja, qui est plus simple, certes, mais qui a une fin terrible, je trouve. Ça correspond pas vraiment à l'esprit du jeu. Après, ce n'est que mon avis. C'est marrant, sur la capture, on dirait que le jeu rame. Est-ce qu'il n'y aurait pas une genre de synchro verticale ou un truc comme ça qui serait active? Non, de toute façon, je suis en fenêtré, donc il peut pas y avoir de synchro verticale en fenêtré. Enfin, du moins, il me semble. Je sais pas si c'est fluide chez vous, mais en tout cas, moi, sur la capture, c'est pas ouf fluide. On dirait pas que c'est à 60 images secondes. Ah bah voilà un poireau, donc il me manque juste un petit pissenlit et on va pouvoir remplir ce bundle. Ah tiens, là, j'ai des trucs qui sont faits. Ah, faut que je ramène la hache à Robin aussi, tiens. Tant que je suis là, vu qu'elle habite juste ici, je vais lui ramener. Hey, tu as retrouvé ma hache? Ah, quel soulagement! J'ai presque coupé mon. J'ai pre... Je me suis presque coupé un orteil avec l'autre. Merci. Ah bah ouais, c'est un peu dangereux là. Maru. Pas l'impression que ça rame après justement quand t'es. Non mais c'est peut-être juste le retour du logiciel de streaming hein, qui fait ça. Bon, je parle au personnage qu'il y a là, comme ça, si jamais je les avais pas rencontrés, ça viendra sur mon. Ça viendra sur mon compteur. Putain, les chambres sont gigantesques, mais par contre la cuisine, elle est toute petite, quoi. Oh, les amoureux. Je vais rester là, je vais écouter derrière la porte. Je suis pas creepy comme ça. Surtout avec ma tête un peu maladive, mon pantalon vert et mon t-shirt rose. Je suis incroyablement beau. Alors, il me faut un petit pissenlit, putain.
Écoutez, je n'aime pas être vulgaire, mais fais chier, putain, merde. Moi, je trouve qu'il a quelque chose d'envoûtant, ce jeu. Paraîtrait que Concerned Ape, du coup, la personne, enfin, c'est le pseudo de la personne qui a fait en grande partie Stardew Valley, en très très grande partie, est en train de travailler sur un nouveau jeu. Mais bon, à mon avis, ça n'aura très certainement rien à voir. Après, par contre, Chucklefish, qui lui est par contre l'éditeur, va sortir un jeu, une espèce de simulation d'école de sorciers qui a l'air plutôt pas mal. Je suis assez curieux. Pas beaucoup joué, mais il est fort sympa. Ouais. Bien sympathique. Moi, j'y ai pas mal joué, hein, honnêtement. Je dois être à une bonne centaine d'heures de jeu. Il y a toujours des trucs à faire en fait. Puis c'est pas un jeu chiant. Tu peux vraiment jouer à ton rythme quoi. Bon, c'est pas ça que je veux. Putain, d'habitude j'en trouve partout, mais là je vais pas en trouver un seul quoi. C'est terrible. Ressent un peu la vibe Animal Crossing. Ouais, c'est surtout un bon clone de Harvest Moon. C'est vraiment le même genre de jeu. Ça se rapproche plus de Harvest Moon que d'Animal Crossing pour moi. Et sinon, elle est pas là, Daikyo? D'habitude, on entend qu'elle, mais là, quand elle est pas là, ça fait bizarre. Bon bah je vais pas trouver un pissenlit. Hein. Pas de chance. Ah si. Oh. La parole du pissenlit, je l'ai trouvé. Magnifique. Ouais, je vais pouvoir remplir ce premier bundle et récupérer un petit trésor sympathique. Alors, petit pissenlit et il manquait ouais, le poireau que lui j'ai trouvé direct. Bundle complete. Et voilà, donc là je gagne un petit cadeau intermédiaire. Donc là c'est 30 graines de printemps. Donc c'est des graines, c'est un genre de bundle de graines que je peux planter et puis ça fera pousser aléatoirement des choses qui peuvent pousser pendant le printemps. Et du coup, remplir ce premier bundle me permet aussi de débloquer d'autres listes de cadeaux. Il y en a énormément à faire, hein. Je crois que dans ma première partie, ouais, j'ai mis 3 années in-game pour réussir à tout donner parce que ça fait vraiment beaucoup de choses, hein. Tiens, ça c'est ouais, des haricots. Un chou-fleur, des patates. Bon, je devrais avoir ce qu'il faut pour ça dans peu de temps. Donc, faut vraiment garder un œil dessus. C'est bien parce que derrière, au début, il fallait tout le temps se déplacer ici pour avoir la liste des cadeaux. Mais après, ils ont rajouté directement ici la possibilité de consulter les différents bundles qu'on a débloqués. Je crois qu'il y en a, ouais, il y en a peut-être bien 6 ou 7 hein, quand même à faire à chaque fois.
J'utilise quoi comme webcam? C'est une. Alors, c'est une Logitech. C'est une. C'est pas une C920. Je crois que c'était ça la référence. Je vais te dire ça. Ne bouge pas. Ouais, c'est ça. C'est une C920. Elle marche plutôt bien. C'est pas. Elle n'est pas excessivement chère. C'est plutôt cool. Alors vous allez reprendre le stream du coup, mais c'est plutôt sympa ça. Faudra me tenir au courant. Histoire que je vienne voir ça. Tac, on va vendre ça. Hop. Et on va aller dormir. Oui, tiens, ça, il faut que je le récupère. Ouais, ça, ce sera un truc à faire. Ferme niveau 1 et puis crafter un épouvantail. Ouais, et puis construire un poulailler. Bon, ça fait des objectifs à faire, hein. C'est une de celles que tu avais repérées, ouais. Ouais, c'est des. Il y a beaucoup de streamers qui utilisent ça. Elles sont plutôt pas mal. Oh! Vous savez que je crois que j'ai joué une centaine d'heures de jeu. J'ai joué, ouais, une centaine d'heures, hein. Et c'est la. C'est que la deuxième fois que je vois ça, la fée qui vient la nuit pour faire pousser les. Ah, d'accord, on nous a créé un logo de toute beauté. Donc c'est la deuxième fois que je vois. Seulement la deuxième fois que je vois la fée qui vient faire pousser dans une zone toutes les graines que vous avez plantées. Eh bien, vous m'enverrez le logo aussi, ça m'intéresse. C'est de voir mon stream, ça vous a donné envie, c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Il n'y a rien. Ok, c'est de la merde. Tac, et du coup, voilà, elle a fait pousser directement toute une partie de ma parcelle. Ce qui est plutôt sympa. Donc, haricots verts, si je me rappelle bien, il faut que j'en garde un. Tulipe, je crois pas. Ah oui, il faut que ça, il faut que je le coupe comme ça. Voilà. Du kale ou du calais, je ne sais pas comment ça se dit. Cher Pikachu, demain nous allons tenir le festival de l'œuf. Si tu arrives entre 9h du matin et 2h de l'après-midi, tu pourras participer. Et tu ne voudrais pas rater la chasse à l'œuf annuelle. Incroyable! J'ai fait une inspiration pour la jeunesse. Oui. Cette emote lave-vaisselle est vraiment géniale. Je l'ai fait de mes petites mains. Pixel par pixel. Du coup, c'est un lave-vaisselle en pixel art. tout, tout, tout. Donc, faut arroser. On va planter ces petites graines là. Parce que bon, il faut se faire de la thune. Ça va commencer à faire beaucoup à arroser, mais bon. Il faut. L'argent, c'est vrai, c'est vraiment tellement important dans le jeu, il faut en récupérer un maximum, quoi. Tac, on va mettre le reste ici. Et on va commencer à arroser. Ah, c'est long, hein. Vivement les arroseurs automatiques. Ça permet de gagner un peu de temps. Alors ceux de niveau 1, ils sont pas ouf, mais bon, ça fait quand même 4 cases à arroser en moins. Par contre, ceux de niveau 2, c'est cool, quoi, parce que ça arrose en carré autour d'eux sur une case. C'est bien pratique.
Bon, et on va se refaire des petits chemins en bois. Parce que je le vaux bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, ça c'est bon. Voilà. Incroyable. Donc haricots, on va d'abord vérifier au niveau des bundles. Hop. Alors. Spring crops. Spring crops, du coup. Donc le haricot. Ok. Il manquera patate, chou. Il va me falloir des... Alors ça, je peux le vendre, du coup, mes petites tulipes, mon calais aussi. Ok. Le reste, je stocke. Et je vais aller porter les haricots verts. Parce que bon, je pense pas que je puisse le faire d'ici. On est bien d'accord. Ouais, non, c'est ça. Il faut que je sois au centre communautaire. Donc il faut se déplacer. Hop, on va aller déposer ça. Donc je crois que c'est ici. Ouais, c'est celui-là. Tac. Voilà. Et juste un haricot. Hein. Pas leur en donner 10. Non, non, un seul. Juste un. Un haricot. Bon. Je commence à avoir un petit peu d'argent. Je vais peut-être me construire ce fourneau là. Je dois avoir suffisamment de cuivre pour le faire. Ça va me permettre de fondre quelques minerais pour améliorer mes outils. Alors, il fallait combien? Il faut 25 pierres et 20 minerais. Bon, je dois avoir largement ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. Et c'est peut-être plus en pierres ou... Oh non, ça va, 205. Je vais m'en faire deux. Bon, le cuivre, c'est assez facile d'en trouver. On va les mettre là. Hop. Alors, mon petit charbon. Tac. J'ai dû faire, mais j'en ai pas assez. Puis le quartz aussi, il faut le transformer. Et hop. Tout prend du temps dans ce jeu. Absolument tout prend du temps. Il faut essayer d'optimiser son temps et de pas trop en perdre. Parce que là, bon, ça fait qu'une barre à chaque fois et je crois qu'il en faut 5 pour faire un nouvel outil. Il faut 5 minerais pour faire une barre. Bon. Ça devient vite long, quoi. Mais bon, c'est un jeu pour les gens qui ont du temps. C'est ce qu'on appelle un jeu de chômeur, quoi. Voilà, comme ça j'aurais utilisé tout mon cuivre. Et après je vais mettre encore du quartz. Bon, le cuivre encore ça va, il se fait vite, mais après quand on est rendu au lingot d'iridium et tout, même le quartz, hein, ça met quand même vachement plus de temps. Hop. Ah, ma première barre de quartz. Du quartz raffiné. Tac. Bon, on va aller faire dodo. Ça va sauvegarder. Et je pense qu'on va arrêter là pour Stardew Valley pour aujourd'hui. On va en profiter pour faire une petite pause. Je vais aller me désaltérer. Puis nous allons changer de jeu. Des bisous YouTube.